Avant de parler seed dans un contexte de cryptographie, nous allons tout d'abord parler du hasard. Le hasard en informatique est un concept qui n'est pas si hasardeux que ça. En fait, le hasard n'existe tout simplement pas. Une application que j'ai appelée le Hasardotron qui générera un nombre aléatoire entre 1 et 1000 avec un seed 2022. La suite que nous avons obtenue est 71, 110, 122, 140, 111, 580, 876, 848, etc. Exactement la même suite d'informations. Nous avons une suite complètement différente. Ceci dit, en cryptographie, dans le monde des crypto-monnaies, c'est grossièrement la même chose. Le seed est en fait la racine, la graine d'information pour retrouver un état cryptographique. Et dans le cas qui nous occupe, il s'agit des fameux mnémoniques de récupération des portefeuilles des crypto-monnaies. En fait, le seed ressemble plus à ça. Et les fameux 12 et 24 mots de recovery nous permettent de refaire cette grande chaîne de caractères qui nous permettront de générer nos clés privées de portefeuille. Qu'est-ce que les 12 ou 24 mots de recovery? D'où viennent-ils réellement? Comment sont-ils générés et surtout dans quel but? En fait, le portefeuille que vous utilisez doit choisir parmi plusieurs standards pour l'utilisation des mnémoniques. Parmi ces standards, il y a le BIP39, le BIP32, le BIP44, etc. Pendant que le BIP39 vous suggère une liste de mots de 2048 mots, donc une liste restreinte, le BIP32, quant à lui, vous donne la possibilité d'utiliser vos propres mots pour la génération de votre portefeuille. Pour le bien de cette vidéo, nous commencerons tout d'abord par le BIP39. Le BIP39 nécessite que nous commencions par générer une entropie d'un multiple de 32 bits. Pour que ce soit un minimum sécuritaire, il faut générer une entropie de minimum 128 bits. C'est quoi une entropie? Une entropie est simplement un nombre de bits choisi au hasard. Au hasard? Oui, au hasard. Mais t'as dit que le hasard n'existait pas? T'as raison, du pseudo-hasard alors. Donc si le hasard n'existe pas, il faut un seed. Oui. Et ce seed est généré à partir d'informations éphémères pour utiliser tes mots. Oui. En général, un programme utilise les mêmes informations éphémères pour générer l'entropie. Oui. Donc, si on sait quand ou à quelle heure exactement il a généré son entropie, pourrait-on réussir à régénérer la même? Chut, plus tard. Donc, comme je disais, le système génère une entropie de 128 bits minimum. Ensuite, le système générera ce qu'on appelle un checksum, donc un hash, de tous ces bits en contrôle, ce qui ajoutera 4 bits aux 128 bits, donc on part d'un minimum de 132 bits qui composent l'entropie minimum. On sait aussi que les mots de mnémonique font partie d'une liste de 2048 mots. Le nombre exact de mots qu'il y a de possibilité dans 11 bits. Donc 132 divisé par 11 égale 12 mots. Donc, en fait, chaque mot représente 11 bits de l'entropie générée. La liste de 2048 mots pourrait comporter n'importe quel mot. Les mots comme tels ne sont pas vraiment importants. Seule leur position dans la liste est importante.
Donc, un mot qui est à la troisième place de la liste générera la chaîne binaire 11000 jusqu'à 11 bits. Et le mot qui est à la 20e place générera la chaîne de bits suivante 00101000 jusqu'à 11 bits. Et le dernier mot de la liste générera la chaîne binaire suivante 11111 11 fois. Donc, pour avoir une entropie de 256 bits, il faudrait 24 mots, 512 nécessiterait l'utilisation de 48 mots, etc. Mais comme il faut que tous les portefeuilles puissent reconnaître la position des mots de notre chaîne de récupération, nous avons besoin que tous les logiciels de portefeuille aient exactement les mêmes mots au même endroit, d'où l'établissement d'un standard qui s'appelle le BIP39. Non seulement les mots ont été choisis pour faire partie d'une liste commune entre tous les logiciels de portefeuille, mais ils ont aussi été choisis pour que les quatre premières lettres soient uniques, donc donner la possibilité à l'utilisateur de pouvoir simplement écrire les quatre premières lettres pour se faire suggérer le reste du mot par le système, histoire de ne pas avoir à retaper tous les mots en entier dans les clés Ledger ou Eyeball, ce qui est long et fastidieux. Donc, dans une prochaine vidéo, nous parlerons de comment partir de l'entropie à nos précieuses clés privées de portefeuille et nous apprendrons ce qu'est les chemins de dérivés pour les générer et ajouter du piment aux pirates informatiques qui trouveraient nos mots de récupération. Nous apprendrons aussi à utiliser la passe-phrase qui rendrait aussi la clé de mnémonique inutilisable en l'absence de cette dernière. Je vous annonce aussi le premier live de cette série qui sera fait le jeudi 16 juin 2022 et portera sur la création de notre propre générateur de mnémonique et de portefeuille crypto. Donc, un petit live de programmation qui vous apprendra à créer un petit logiciel sécuritaire afin que vous soyez autonome dans ce monde effréné. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, activez la petite cloche de notification afin d'être averti lors de la sortie de prochaines vidéos.